Miss you, Steve. Happy Pride! Joyeuse fierté! Salut, Monsieur Steve! Oh, et salut, Dax! Qu'est-ce que tu fais? Je décore la maison pour le mois de la fierté! Oh, ok, j'aime les arcs-en-ciel. Mais, Monsieur Steve... Oh oui, Dax? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que le mois de la fierté? Comme on célèbre qu'on est fier? Yeah, tu as raison, mais c'est beaucoup plus que ça. Alors, viens ici et je vais t'expliquer. Allô, Dax? Allô, Monsieur Steve? Alors, je vais tout expliquer à propos de le mois de la fierté. Mais avant de faire ça, j'aimerais bien recevoir une grande... Pouce en haut. Oui, a big thumbs up. Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton de subscribe. Don't forget to click on that subscribe button. And parents, guardians, aliens, humans, I've got a Patreon account. If you've been enjoying my videos, please feel free to check that out. I've also got a merch store où vous pouvez acheter un... autocollant, a sticker. Un t-shirt. Un t-shirt et un chandail. Un sweater. Woohoo! Alors, le lien pour ces deux choses-là sont dans la description. The link for those two things there are in the description. Merci! Et vous pouvez me contacter en utilisant Instagram et Twitter. Mais il faut avoir la permission d'un adulte. Alors, Dax, le mois de juin est bien connu dans de nombreuses régions autour du monde comme le mois de la fierté. Oh, ok. Tout au long du mois, il y a de nombreux spectacles, événements et fêtes pour célébrer la diversité, l'inclusion et l'amour sous toutes ses formes. Ouh, j'adore ça, Monsieur Steve. Oui, moi aussi, Dax. Quand la fierté a-t-elle commencé? Très bonne question, Dax. Tout a commencé le 28 juin 1969. 1969? Oui, 1969. À New York, dans un endroit appelé le Stonewall Inn. Le Stonewall Inn est un endroit qui accueillait tout le monde et célébrait la diversité et l'amour. C'était un espace sécuritaire, ça veut dire « a safe space », car à cette époque, les membres de la communauté LGBTQ+, n'étaient pas bien traités et avaient besoin d'endroits comme ceci pour être eux-mêmes. Oh, ça c'est triste, Monsieur Steve. Oui, je sais, Dax. Alors, ce qui est arrivé, c'est le 28 juin 1969, la police est venue les mettre en prison juste parce qu'ils étaient différents, pas la norme. Oh, je n'aime pas ça, Monsieur Steve, pas du tout. Oui, moi non plus, Dax. Mais, plutôt que de laisser les mauvais traitements continuer, les gens à l'intérieur du Stonewall Inn ont décidé de défendre ce qui était juste. Ils ont organisé une manifestation, ça veut dire a protest, et ont refusé d'être maltraités. Yeah! Yeah! Et Dax, l'année suivante, en 1970... 1970? Oui, 1970. Exactement à la même date, alors le 28 juin, une marche a été organisée, un peu comme une défilé, like a parade, pour l'égalité des droits et des libertés pour toutes les personnes de la communauté LGBTQ+. Chaque année, l'événement a grandi et grandi et grandi et s'est développé et devenu ce qu'il est aujourd'hui! Yay! Oui, yay! Alors, c'est grâce à des personnes courageuses comme Marsha P. Johnson que le monde a changé et est devenu plus aimant et plus tolérant. Oh wow, Monsieur Steve, j'ai beaucoup appris. Alors, est-ce que la communauté LGBTQ+, est traitée de manière égale partout dans le monde maintenant? Alors Dax, malheureusement non. Et ça c'est pourquoi le mois de la fierté est si important. Alors, nous voulons être là pour notre communauté LGBTQ+, et les aider à être traités de manière égale sur toute la planète. L'amour et la diversité sous toutes leurs formes doivent être célébrés et non punis. Oui, non punis. Mais Monsieur Steve? Oui, Dax? J'ai une question. Oui, Dax, qu'est-ce que c'est? Pourquoi le drapeau arc-en-ciel est-il un symbole de fierté? Ah, très bonne question.
Alors Dax, le drapeau arc-en-ciel a été, l'original, a été fabriqué en 1978. 1978? Oui, 1978. Par un homme qui s'appelle Gilbert Baker et a été créé pour le défilé, ça veut dire parade, de la fierté de San Francisco. Ses couleurs représentent des aspects du mouvement du LGBTQ+. Oh, ok, je ne savais pas ça. Alors Dax, je vais passer un peu de temps maintenant à présenter les couleurs. Ok. Alors, rouge est pour la vie. L'orange est pour la guérison, ça veut dire healing en anglais. Le jaune est pour la lumière du soleil. Le vert est pour la nature. Le bleu est pour la sérénité. Et ça, c'est comme la paix ou le calme. Et le violet, ça, c'est pour l'esprit. Oh, chouette! Oui, je crois ça aussi. Mais il y a un nouveau drapeau, le drapeau derrière moi, et on peut voir qu'il y a du noir, et le noir est pour la diversité, le brun est pour l'inclusivité, et le bleu bébé, rose et blanc, ça représente le drapeau trans. Wow, merci beaucoup, 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 Monsieur Steve. Je comprends maintenant. J'aime beaucoup le drapeau. Oui, moi aussi, Dax. Ils sont super chouettes. Alors, mes amis, n'oubliez pas que la fierté est une question d'amour, d'inclusion, d'acceptation, d'être fier de notre identité et bien plus encore. Il faut traiter les autres personnes avec bienveillance et compassion. Aussi, travaillons tous ensemble pour rendre le monde meilleur et plus inclusif pour tout le monde! Parce que tout le monde appartient. Everyone belongs. Alors, mes amis, moi et Dax vont décorer maintenant, n'est-ce pas Dax? Oui, Monsieur Steve. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, donne-la un grand pouce en haut, give it a big thumbs up, et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton de subscribe. And don't forget to click on that subscribe button. Parents, guardians, aliens, humans, I've got a Patreon account. Dax, tu parles en anglais? Oui, Monsieur Steve. Yeah, I've got that Patreon account, and I've also got that merch store. So, the links for those are in the description. Alors, mes amis, au revoir, au revoir, et au revoir. Joyeuse fierté. Joyeuse fierté, mes amis, au revoir. Au revoir et à la prochaine!